Ah bah non, tu peux pas le faire comme ça. Il était pas joli, mon pompon. Dans cette vidéo, nous allons parler de chaise. Alors, la chaise, c'est un petit peu un gainage pour les cuisses. Alors, si vous me suivez depuis le début, vous le savez, je m'appelle Alexandre, je suis coach sportif et je vous propose un calendrier de l'Avent, 24 mini défis pour vous remettre en forme, gagner de l'énergie avant le réveillon. Bien, passez à l'action, invitez un de vos amis à suivre le challenge avec vous parce que lorsqu'on est à plusieurs, c'est toujours plus motivant et comme ça, vous pouvez dire à votre ami ou votre collègue, alors moi je l'ai fait et toi? Alors, qu'est-ce que la chaise? La chaise a besoin d'un mur pour vous appuyer contre le mur. Prenez un mur qui est quand même assez solide. N'allez pas vous mettre sur une cloison qui ne tient pas. Objectif, tenir 40 secondes en gainage, donc en position de chaise, puis 20 secondes de repos. Nous sommes partis pour faire 4 sessions de chaise. Et c'est parti, tout de suite. Bam! Alors, pour la chaise, vous prenez appui sur le mur, le dos posé contre le mur, vous avancez vos pieds et on descend les jambes à 90 degrés. C'est parti pour 40 secondes. Le dos bien à plat, vous pouvez mettre vos mains devant ici pour redresser au niveau du dos. Vous pouvez mettre les mains sur les cuisses sans prendre appui sur vos cuisses, sinon ça soulage légèrement la position de la chaise. Plus vous descendez les fesses et les jambes à 90 degrés, plus vous êtes sur un travail des cuisses. Il reste 20 secondes et on maintient. Les pieds positionnés à plat sur le sol, les genoux dirigés vers l'extérieur. Vous maintenez bien la position, appuyez au maximum sur vos pieds. Voilà, le dos est juste là, lui, pour prendre un petit appui et avoir une belle position droite. Et on relâche 20 secondes. Exercice super intéressant pour isoler la partie de la cuisse sans faire de mouvement avant d'actionner sur des squats qui arrivent bientôt, vous inquiétez pas. 3, 2, 1. Voilà, parfait. Belle position. Mettez les mains devant. Vous pouvez même coller la tête contre votre mur. Et on maintient la position, les jambes à 90 degrés. Plus vous descendez les fesses, plus vous sentez le travail dans les cuisses. Le quadriceps, c'est un muscle qui se situe devant la cuisse, du genou jusqu'au bassin, avec des muscles qui partent un petit peu, on le sent sur l'extérieur et l'intérieur, vaste externe et vaste interne. 5, 4, 3, 2, 1, et on relâche. Super! Relâchez un petit peu les jambes, soit en donnant un petit coup de pied, soit en remuant un petit peu le muscle. C'est reparti dans 10 secondes. Prenez appui contre le mur. Commencez à descendre. 3, 2, 1. Et c'est parti. Voilà. Les mains bien devant. Gros travail sur les cuisses. Si vraiment vous sentez que ça chauffe trop pour vous, vous remontez un petit peu les fesses pour soulager les cuisses. Et si pour vous ça va, vous gardez les fesses bien basses, jambes à 90 degrés. Encore pendant 17 secondes. Essayez de respirer lentement. 10 secondes. Maintiens encore. Gros travail sur l'avant des cuisses. 3, 2, 1. Et on relâche. Si la position est bien adaptée, vous allez sentir ça chauffe juste ici devant et vous devriez commencer à me détester un petit peu pour la quatrième et dernière série. 6, 5, 4, 3, 2, et c'est parti. Allez, les 40 dernières secondes, maintenez la position, les pieds posés bien à plat, les genoux légèrement vers l'extérieur, le dos posé contre le mur. Voilà, tout simplement. Il reste 25 secondes. C'est la dernière ligne droite. Ne lâchez pas, tenez bon jusqu'au bout. 18 secondes. Oh là, trop facile.
Allez, on maintient, on maintient, on maintient, on maintient, on maintient. 10 secondes. Ouais. 4, 3, 2, 1. Et on relâche. Parfait, on étire un tout petit peu en mettant les talons contre les fesses. Attrapez le pied droit avec la main droite pour étirer la cuisse. Puis changer. Main gauche, pied gauche. Ah non, on n'y retourne pas. Bien. Félicitations pour ce 4e jour du challenge défi sportif calendrier de l'Avent. Donc, n'oubliez pas, on passe à l'action. Vous faites les 24 défis, puis vous invitez un collègue, une collègue, un ami, une amie à suivre le défi avec vous. Restons motivés ensemble. On continue, ne lâchez pas. À la prochaine !